Salut à tous, aujourd'hui 17 juillet 2018, je fais cette petite vidéo pour la sortie officielle du DVD Blu-ray du film Ghostland. Pourquoi officielle? Parce qu'il y en a qui l'ont eu un peu avant, plus il y a eu la sortie VOD il y a quelques jours. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un objet que j'ai eu fin mars début avril, qui fait partie du film, c'est le dossier de presse russe du film Ghostland. Voilà. Donc j'ai déjà tout sorti, je vais juste sortir la pochette là, voilà, je voulais pas m'emmerder la tête à tout sortir. Donc ça c'est la pochette où il y a tout dedans, le recto, le verso et l'intérieur bien sûr qui est blanc avec le code barre. Voilà, après nous avons à l'intérieur une belle affiche du film russe, voilà, avec la petite larme. Et le code barre en bas au verso. Après, je vais passer à quelque chose qui n'est pas important dans le dossier de presse. Voilà, du moins qui n'est pas vraiment important, qui n'a pas à voir avec le film. C'est des flyers d'autres films sortis à ce moment-là au cinéma. Voilà. Donc voilà, bien sûr, les affichettes, tout en russe. Voilà, Tomb Raider. Voilà. Mais c'est toujours bien sympa. À avoir. Après, alors continuons dans Ghostland. Alors, nous avons une biographie de Lovecraft. Voilà, avec la biographie écrite en russe derrière. Le certificat d'authenticité, voilà, avec le petit tampon et tout, voilà, c'est le certificat d'authenticité du dossier presse. Après, nous avons, ça c'est la feuille de cinéma où il y a les renseignements sur le temps exact des versions de Ghostland. Voilà, mais il y a tout écrit en russe, donc je ne comprends pas. Après, nous avons de très belles photos tirées du film, très belle qualité, voilà, développées par Fujifilm. Voilà, avec le titre sur le côté là. Voilà. Bien sûr, ceux qui ont vu le film ont reconnu les scènes. Excusez-moi s'il y a un reflet, mais très belle qualité de photo. Voilà, en papier glacé. Voilà. Et après, nous avons le plus bel objet du dossier de presse. C'est le livre qui présente les actrices du film. Donc ça se présente comme ça, pareil, sur papier glacé. Très belle impression. Voilà. Alors, ça commence à la première page. Voilà, bien sûr, tout écrit en russe. Voilà. Et là, ça commence à présenter les actrices. Voilà, notre Mylène. Voilà. Et l'affiche. Et puis le verso du livret. Et en cadeau, j'ai eu avec des petits flyers du film de plusieurs pays. Donc bien sûr, il y a la russe. Voilà. Alors après, je ne sais pas lequel est l'Azerbaïdjan et lequel est l'Ouzbékistan. Voilà. Donc je vais vous montrer. Là par contre, c'est en carte postale. Voilà, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, c'est les autres flyers, bien sûr, comme je vous ai dit, je ne sais pas lequel est l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan. Voilà, alors il n'y a pas écrit derrière, non. Voilà. Donc voilà pour le dossier de presse russe de Ghostland, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas, au moins maintenant, vous connaissez le dossier de presse. Je pense qu'il doit en avoir à peu près 5 ou 10, pas plus. Voilà, donc je referai une autre vidéo, bien sûr, pour quand j'aurai tous mes supports du film. Voilà, pour vous les présenter un par un. Je vous fais de gros bisous. Vive Mylène, vive le film Ghostland, qu'il ait un gros succès en DVD et Blu-ray, comme il a pu avoir pour un film de genre au cinéma. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à très bientôt.